Bienvenue sur la plateforme Léona Choua dans une autre vidéo La vie haïtienne dans le pays Mexique. Je dis à la moi un invité spécial. Je suis un acteur cinéma qui va faire un petit dialogue avec nous pour capable parler nous des activités ici dans le pays Mexique. Zamim Faustin Neglakay. Bienvenue sur la plateforme Léona Choua. Bonsoir Léona, comment est-ce que vous êtes? C'est un plaisir que vous êtes avec nous. Moi-même, c'est un plaisir sur la plateforme Léona Choua. Faustin, nous avons plus que un mois. Oui, plus que un mois. Pour nous faire un compte ça. Exactement. Jeudi à son jour spécial, un dimanche. Et pendant que nous avons roulé dans la ville là, nous commençons là, nous allons visiter un espace qui est très spécial pour les gens qui ont aimé faire loisir ici. C'est combien de temps vous gagnez ici dans le pays Mexique? Moi-même, j'ai gagné 13 ans dans le pays Mexique. Ça va m'arriver ici en 2000, dans le mois août 2011. En 2011, et puis c'est ici que nous faisons m'étudier ici. Une fois, je me disais bien avant, et moi-même, c'est un ex-religieux dans la congrégation Frères des écoles chrétiennes, même avec FICU en Haïti. Donc, de là, je fais toute formation religieuse moi, en Haïti, pour de paix principalement. De là, et après, et novice à moi, je vais en France, Fontan. Après en France, je suis allé en Côte d'Ivoire, en Afrique. En Afrique, je me rappelle que je vivais tout près de Papa Didier Drogba. Et après longtemps, je suis retourné en Haïti après le tremblement de terre en février 2010. Je suis retourné en Haïti. J'ai fait un an et demi en Haïti. J'ai travaillé la tortue, port de paix. De là, je suis venu en République dominicaine à apprendre l'espagnol. Et puis, tout d'un coup, après que je finis d'apprendre l'espagnol, je suis au Mexique. Donc, Mexique, ici de là, m'étudier dans l'université La Salle. Donc, c'est une ampigo université privée qui est ici de là. Et m'étudier sciences et l'éducation. Et dans le même moment, ça tombe dès qu'on a allé avec un pile étudiant en Haïti à le faire bénévolat. Précisément, et pour le prince Caso, Port de Paix, La Tortue. Chaque année, on a avec étudiants qui étudient médecine, psychologie, sciences d'éducation, éducation, l'école primaire, tout ça. Bon, en 2015, après ça, je suis venu quitter la congrégation. Après ça, je m'ai fait vie personnellement, j'ai commencé à travailler dans l'école comme professeur français, tout. Et puis, en 2018, je suis allé en France, je fait un master en coopération internationale en éducation. À l'Université de Paris. Et puis de là, en 2000, depuis en France même, j'ai sorti avec un job pour mal travailler dans ONG en Haïti, pour Port-au-Prince. Et malheureusement, avec l'insécurité qui a commencé dans le moment, donc, j'étais venu camper et puis femme pas même voulait monter rentrer. Donc, obligé de retourner ici, continuer le travail. De là, mal travaille dans l'école. Dans l'école lycée, qui nous a les trois dernières années en Haïti. Et puis, après ça, je travaille dans l'université, dans l'école Satoune, l'université qui est là, qui est l'ETEC de Monterrey, c'est une université privée tout. Là, je travaille pendant un an dans l'université, ça. Heureusement, nous sommes tout près là. Oui, on a passé tout près là. Et puis après ça, je travaille dans une université privée qui est chère en Pilicite, Mexique, qui est Anahuac, université pour les riches, ici, là. Et puis de là, je compte bailler coup particulier les après-midi à plusieurs petits mondes, préparer pour certification d'ELF. Et puis, nous là, on a continué, on a fait un peu de travail à Konyala. Actuellement là, nous avons l'école langue de français en ligne qui est Frances Confapi. Donc, on a cherché dans notre réseau, dans YouTube, Facebook, et on a joué Frances Confapi. Actuellement, on a travaillé sur un projet de académie qui a pas pile service là-dedans. Donc, faut que mon nous pensons que là, très prochainement, on a fait une vidéo sur ça. Là, pour nous faire un pile détail, nous avons rencontré un pile service dans l'académie. Ça, on a parlé de l'FAPI Academy. Donc, et puis là, et tout, nous travaillons dans notre domaine. Nous aidons compatriotes, nous avons un conseil qui nous a fait expérience dans la zone ici de Mexique. Et puis, nous sommes un acteur, tout, comme je dis là, nous sommes. Ce film est un film qui a un rapport avec migration haïtienne tout, comme acteur principal. Un film
qui relait l'inquiétude del Bosque. Nous fait annonce télévisée tout pour Coca-Cola et pour un jour les minutes mais nous sont fait une annonce pour PlayStation, nous fait tout et nous participer dans vidéo musicale tout ça. Et donc notre travail, nous gagne pile projet sous pied tout, projet artistique, projet professionnel et dans éducation, donc c'est comme ça. OK, parce que mon yo pratiquement j'ai toute information des questions qui me d'avoir poser. Et nous allons baser sur l'adaptation dans le pays Mexique. Yeah, yeah. Est-ce que c'est facile pour vous pour te prendre une décision? Est-ce que c'est parents qui te prennent une décision pour te venir au Mexique? Bon, c'est congrégation religieuse qui te voit au Mexique. Après, vous avez fait en France, après ça, vous avez fait en Côte d'Ivoire, vous retournez en Haïti, après ça, vous avez encore en République Dominicaine, et puis vous prenez une décision pour vous au Mexique. Donc, c'est pas un choix. Non, c'est pas un choix. OK. Exactement. Ou dit qu'on sort son ex-religieux. Pourquoi ça ex-religieux? Ex-religieux parce que je fais partie de congrégation et la saïste en Haïti. Donc, mais qu'on est à venir quitter. Donc, ça fait que je suis ex-religieux. Bon, quand on entend parler de frères Fikyo en Wanamed, frères Fikyo en Haïti, c'est même un type de congrégation religieuse à Oua. Et nous travaillons dans l'éducation. Donc, bon, c'est un FEC, ce qui dit frère des écoles chrétiennes. Donc, c'est même congrégation la SAEA. Donc, après ça, bon, après une expérience avec eux, donc, devine quitter ça. Okay. Qui est-ce qui a poussé au monde pour une décision, vient devenir ex-religieux dans parti ça? Donc, tout dépend de l'intérêt ou tout dépend de foi ou. Donc, moi-même, j'ai toujours gagné longtemps, vin prêtre, j'ai toujours gagné intention, vin. Et il y a un monde qui est très, très zélé dans la question de l'Église. Et donc après ça, je suis venu en contact avec frère qui est venu faire mission, venu faire pastoral dans un endroit là mais tout. Bon, t'es bon ami qui t'es parlé de eux-mêmes. Après ça, j'ai commencé à cheminer avec eux, mal en mission, pour de paix. Même j'ai commencé à cheminer avec eux depuis en 2013. Après ça, donc en 2003 disons, j'ai commencé à cheminer. 2005, m'entrer avec eux. En 2005, m'entrer dans la congrégation pour de paix. Donc, c'est Port de Paix, me fait 3 ans, dans postulat, après novice à Port-au-Prince. Non, novice à Port-au-Prince, après ça, scolastica, me commencé en Côte d'Ivoire, en Afrique, me retourné, me viens continuer scolastica, moi, ici, au Mexique. Et, me suis parti dans scolastica pendant que j'étudiais, me fait Port de Paix, tout ça. Donc, ça veut dire que, me suis dans la formation, ça, me fait n'importe 3 ou bien 4 formations avant de venir conclure avec une formation qui c'est sciences de l'éducation. OK. Alors, qui ça qui retire l'idée à l'entête pour venir prêter Jean Côté? Ben, vraiment, des difficultés que je suis venu rencontrer. Je suis venu rencontrer des difficultés. Bon, je prends une décision personnelle là pour me capable. Une décision ça pour me capable faire un autre choix pour me capable continuer à vivre de l'autre façon. Ouais. Adaptation dans le pays Mexique, est-ce que c'était facile? Dans le moment où tu es venu, hein? Est-ce que tu as une présence noire ici, là, par exemple? Non. Pas de présence. Donc, malgré tout, je ne suis pas sorti parce que c'est à l'école, à l'université. Je me rappelle même que je suis venu, je suis machine. Tout neuf, à l'école, je retourne à la caille, à travail. Je suis venu, je suis dans une zone où je travaille avec Timon dans la rue. Et tout ça, je travaille avec eux généralement les week-ends. Et je ne suis pas sorti réellement pour réellement rencontrer Noir. C'est pas d'opportunité ça. OK, c'est l'expérience dans 13 ans qui ça va arriver ici dans le pays Mexique. 13 ans bon, faut me dire bien l'aime dans communauté a c'est 4 ans études au niveau réussite de cap du premier en formation sans éducation. Même pas qu'on est soit parler de réussite, donc réussite économique et intellectuelle tout. Bon, première réussite professionnelle, intellectuelle, c'est formation, m'apprendre, en pile bagaille et tout. Dans l'université, quand j'ai étudié, j'étais coordinateur et volontaire là. Et j'étais comme en Haïti. Et puis, bon, pas de entrée économique, ça, parce que c'est pour congrégation de travail. Ouais, donc, mais réussite économique, après ça, j'ai commencé à travailler dans l'école. Donc, j'ai une activité que j'ai réalisée en Haïti. Pour moi-même, pour famille personnellement. Et puis, moi-même ici, je suis fait l'argent pour m'aller étudier en France. Et puis, je suis retourné ici pour m'organiser
gen ti l'argent qui entré, gen ti bagay qui fait. Bon, non obligé ba numéro ouais. OK. Ou là, mais nous plus ou moins stable. Économiquement stable ici. Nous stable, okay. Oui, nous stable, nous stable. Très important. Et ça c'est une question qui en pile monde toujours aimé tendre et disons réponse dans bouche monde que moi dialoguer avec yo qui dépassait disons 5 ans 10 ans ici. Et t'as l'air dit que vous avez un visa, de dire que vous avez un visa, que vous visitez les États-Unis déjà. Et qui ça, peut-être, qui ça qui cause, jusqu'à présent, idée à pas jamais passer dans tête pour dire qu'on va quitter le Mexique pour aller vivre aux États-Unis. Bon. Mais est-ce que vous essayez ça déjà? En tout d'abord, avant même, songer l'aime d'aller étudier en France, et m'a vu qu'il y a une cousine moi, il y a dit, l'aime à venir, il y a des triches, il y a dit, pourquoi ça va venir au Mexique? Il dit, je dis non parce que je sens que l'autre bois là, parce que je n'ai pas raison pour que ça m'arrête. On y a là et bon, visa Mexique, son visa m'a depuis 2000, un an après, je suis venu au Mexique, je commence à gagner là avec frère. Depuis en 2012, j'ai un visa chaque année renouvelé. Je suis allé visiter famille, moi, amis, pas arrêté. Ça fait que je pas arrêté parce que et moi opportunité qui gagne ici là pour que je suis capable de vivre. Ouais, ça me dit là. Donc, moi-même personnellement, je me parais tellement recommencer, recommencer. Du moment que l'opportunité a présenté, moi je suis capable de stable là, stable parce que la difficulté a rencontré de tous côtés. Okay. Qui genre d'opportunité que vous avez pour Haïtien ici dans le pays Mexique? Et son pays business mexicain. Son pays business mexicain. T'as l'air d'avoir raconté que comme acteur et puis. L'autre business professionnel que j'ai intention ouvert comme une académie tout ça et puis j'ai intention l'autre business et qui gagne à très côté que monde capable de vivre bien par exemple l'emzo ici son pays business c'est haïtien qu'on fait business ou capable de vivre ici là avec business n'importe business c'est seulement se organiser ou capable vivre ici là avec eux donc il y a plusieurs types de business au monde qui fait tout dépend de l'intérêt qu'on gagne ou samedi là ou capable vivre avec eux. Parce que l'homme on a fait passer niveau de vie ici là il est capable moins cher. Par contre est-ce qu'il est capable moins cher ou bien moins cher? Parce que ici là tout ce qu'on a besoin pour vivre aux États-Unis capable jouer tout ici là. Peut-être ou capable payer au moins cher tout. Capable payer au moins cher. Ça par exemple, nous aller dans l'eau courant, dans l'OEH Kai par exemple. L'OEH Kai et un bon Kai et par exemple côté ma vivre là. Son cas qui non zone pas dit son zone de monde qui gagne pile l'argent à vivre mais son zone intermédiaire au niveau économique qui gagne trois chambres là-dedans m'pa même bail gabel $400 par exemple combien de pesos mexicain son cas m'a payé de 8200 8300 pesos trois chambres toilettes cuisine salon exactement. Et exactement. Courant par exemple, courant, courant internet, courant chaque deux mois. Combien de crop qu'on s'envie? Chaque deux mois, je paye courant 300 pesos, 350 pesos. Okay. Et puis de l'eau, deux mois tout, 350, 400 pesos tout dépend. Seul bail qui vient fort pour moi, on est là, c'est gaz là parce que on est faut déjà commencer. Donc ça veut dire que. Chauffer avec système gaz ou chauffer la carotte. Exactement, donc ça veut dire qu'ils l'ont dit, genre, ils viennent. Vin plus cher, mais c'est seulement gaz là que me paye chaque mois avec internet moi me paye chaque mois ben, en question de l'eau avec quoi c'est chaque deux mois. OK, ou vivre en famille, nous combien environ qu'à vivre dans Kaisa? Trois mois. Mm-hmm. Madame moi avec petit. Exactement, exactement. Et à part des coûts ça OK ou bail là qui c'est prix Kaisa, service de basio. Et une famille de trois personnes, par exemple, qui est dans une zone où tu habites, combien de personnes ont besoin environ une famille de trois pour vivre pendant un mois, par exemple? Une famille de trois, il y a une petite dépense en plus, comme si bah, pour manger, ou bien une petite dépense loisir. Oui, pour manger, loisir, tout ça. Ça dépend de tout le monde, ça dépend de chaque monde. Moi-même, personnellement, entre manger, payer caille, loisir, tout un série de bagailles. Donc, parce que loisir, on dit genre. Faut log un petit monde mener sortir on sait de bagaille c'est mener petit monde en côté qui plus ou moins appréciable capable dire 1200 1300 plus ou moins dollars américains ouais 1200 dans capable là dans capable en peso environ
Plus que 20 et 2000 de personnes. Ouais, 20, 23, 24, 25. Ok. Qui genre de job ici qui capte un monde quand tu es comme ça pour le vivre pendant un mois en famille, par exemple? En famille de droit? Il y a un pile tout job. Un pile job qui capte ça. Mais on est dans un niveau ça, pour qu'on arrive, il faut. Il y a moins d'expérience, il y a moins de temps, tout un série de bagages. Moi-même, je travaille comme professionnel à l'école. Après ça, sont l'école privée, l'école riche, plus ou moins, qui ont licence dans le même domaine, qui ont master, disons, dans le même domaine. Ça veut dire que moi-même, j'exige prime. Ouais, sans doute, les malais m'exigent, me disent ça, mais comment, mais ça m'a demandé pour. Est-ce que tu as partagé prix avec dans le domaine Paul là? Comme ils ont touché dans l'école, à peu près de on 30 000 pesos mexicains, plus ou moins. 30 000 pesos. Et vous avez l'autre entrée tout, parce que vous avez l'autre activité. Ouais, non, vous avez l'autre entrée. Donc l'autre entrée, l'école les après-midi, côté que m'a fait un truc comme ça tout. Un truc comme ça tout, plus ou moins, m'a parlé de cours français les après-midi dans l'école française comme Fapia. Uh-huh. Et avec les après-midi, donc à Gonvin, entre eux, il n'y a pas de tableau, il y a un business qu'on n'a pas de tableau, sans doute. En général, combien comme environ dans toute activité ça, ou entrez par mois, si vous avez partagé? Léonard, on piège. Non, c'est pas piège. Pas oublier l'objectif là, c'est. Si moun n'entend ou gen plus de temps, moun n'entend ou gen tout de temps ça là, faut que moun yon ta. Gen moun qui envie de Mexique, mais ou pas une orientation, ou pas une information. Go on, si on a raison qui fait me lancer rubrique là, vie haïtienne en Mexique. Juste pour okay. Et partager expérience moun qui fait venir et moun qui déjà là. Yon go plus ou moins une idée. Dans différentes activités, si mon naka font 50 000 pesos, 100 000 pesos, t'as qu'on naka par la soirée font 100 000 pesos, on a en proximité, ou plus ou moins. Peut-être nous on va pas arriver dans tout ça, on comprend ce que je veux. Mais entre tout dépend, les pas stable, 40, 50, 55, donc tout dépend dans niveau. Ok, dans éducation, y a un monde qui arrive. Parce que y a un monde qui a dit, Léona, en tant que professeur. Et moi, j'ai étudié tel côté. Si je rentre dans le pays Mexique, combien de vous pensez que je fais dans tel domaine, tel domaine? Tout dépend. Les gens fait privé, normalement, c'est normal que fait privé, il n'y a pas. Faut qu'ils connaissent, faut qu'ils aient expérience, qu'ils aient du travail, on sait de bagaille. Et donc, ça, c'est important. Donc, ici, là, je crois, parce que l'école privée, ici, là, c'est de l'école qui est chère. On comprend? Ok. Par exemple, dans l'école primaire, par exemple, côté mien, plus ou moins, côté ma. Là-dedans, c'est des gens qui payent 1 200 $, 1 200 $, 1 300 $ américains le mois pour petit yo. Pour petit yo, l'école mon riche, mon affaire bon. Je me rappelle, je suis étudié sciences de l'éducation et à l'époque, ça, par élève, yo, qu'on a payé 50 60 000 pesos, je parle de 3 000 $ américains. Pas moi, en 2015. C'est seulement comme frais scolaire. Okay. Ça veut dire que 3 000 $. Actuellement, on a faut que pas payer n'importe 4 000 $ le mois. Si je paye manger, si mon a payé et copie livre, ça veut dire que mon a payé entre 4 500 entre 5 000 à 6 000 $ par semestre. Ok. Mon a dépassé classement. Moi pas payé. Non mon cher. Mon qui dans l'autre niveau. Moi même pas capé m'a capé. Donc ça veut dire que c'est plus ou moins c'est des mondes qui ont niveau qui haut. Ok. Comme on déjà dans le domaine éducation, des mondes qui toujours demandé Léonard. Si je suis ensemble avec petit, moi qui mine, qui peut finir l'école, comment le processus là est pour si mon entrer ou bien continuer l'école, par exemple? Est-ce que vous avez plus ou moins une idée de qui ça a besoin? Dans privé ou bien l'État? Privé et l'État, tous les deux. Ben, dans l'État, généralement, seulement avec document officiel qui vous avez, comme passeport, à l'inscrit mon nom. Et ça, résidence, il va demander résidence. Et généralement, bon, pas tellement dans le domaine public, là, pas tellement qu'on est même pas quoi. Bakwe ouais ça me dit là bakwe me pense que seulement dans avec document officiel ti mon en passeport à l'inscrire des fois seulement demander pour même si c'est dans l'école d'état pour ti mon en baron frais annuel qui pas même $50 américains. OK, ça c'est dans l'école dans l'école publique. Public. Ouais, dans privé à lui-même généralement et si ti mon me pense c'est important pour ti mon en grand document privé. Et inscription des fois cher, vous comprenez? Okay. Des fois une inscription seulement pour renouveler inscription pour l'autre année. Au commando faut timon bail $1 000, $1 500, $500 tout dépend. Et est-ce que c'est tout privé ou bien gen zone? Non, gen zone spéciale qui comme ça. Gen zone spéciale, gen c'est de privé qui côté que frais scolarité a
li pa même li ka $100-$200 américains le mois. Ah oh, OK. $100-$200 américains le mais mois. Mais pa gen pi ba ki ça. Tout dépend, bah qu'on est, mais qu'on est que gagne 100, 200, 300, 800, 500, 900, $1,000, okay. $1,500, vous comprenez? Les autres gens plus exigeants tout, parce que c'est une classe sociale. Okay. Parce que en pile fois, essayer de nan niveau yo, par exemple, dans éducation, dans côté mia, donc c'est plus comment, si mon cap cherche pour si mon a une confrontation avec classe sociale, nan même niveau avec lui, si mon yo famille yo tout ça. Est-ce que le pays Mexique a un bon genre d'éducation qui est en pile monde toujours à chercher pour petit par exemple? Bien. Généralement, dans le privé, dans l'État, tout gagne. OK. Dans l'État, gagne. Est-ce que l'école, l'État avec le privé, pas tellement de différence? Il y a une petite différence. Il y a une différence, mais dans tous les deux, on peut dans tous les deux, on peut par exemple, dans l'école privée, des fois, il y a plus d'options, c'est de barail. Par exemple, en pile l'école privée, il y a cherché des bâtiments. Français, par exemple. Il y a cherché des bâtiments. Ou anglais dans l'école l'état ou joindre mais c'est pas tout. Ou joindre mais c'est pas tout. Tout dépend des zones là. OK. Ouais, exactement. Vous te dit comme ça que l'école l'état pas fin gratis tellement non. Mais bon frère quand même. Bon ouais, bon frère ouais. OK. Est-ce que dans l'école yo par exemple en termes de préparation pour timon yo gen matériel qui yo bay tant kou cahier, bay ça ou ouais, yo bay matériel des fois. Yo bay matériel mais des fois parents achètent. Dans l'école publique tout parents achètent. Pas acheter. Ouais, exactement. Et là, nous avons une machine, nous, il y a des gens qui aiment connaître le processus pour acheter et gagner une machine dans le pays Mexique. Comment ça arrive? Ah ben, depuis que vous avez un résident permanent, ou bien même une résidence permanente, depuis que vous avez ici, là, ou bien comme vous, si vous achetez une machine, vous faites licence, et puis c'est tout. Tout dépend du niveau économique, ou quel type de machine vous avez besoin, qui prix. Mais seulement, il faut que vous soyez un qui régulier. Parce que je ne pas tellement aimer dire mot et mon qui parle légal là. Yeah. Faut que ce monde qui régulier, ça veut dire faut qu'on résident, donc, faut qu'on résider. Faut qu'on résider. Permanent ou bien temporaire. Exactement, tout à fait. Pour qu'on ait accès pour capable tout acheter à fait. Et conduire une machine ici là. Exactement. Ouais. Et dossier assurance, c'est comment lui, c'est pas moi ou bien par année. Assurance là pas moi, par exemple, on paye pas moi. Pas moi. Et mais dans l'autre bagarre tout faut qu'on fait ça que les et vérification. Okay. Faut que l'État ouais si machine et il en santé deux fois par année. Faut faire vérification pour machine, c'est un cob et puis ouais, c'est exactement ça. Assurance cher? Tout dépend, tout dépend. Moi-même, tout dépend. Même dans on plus ou moins dans 800 pesos le mois. Donc là, on a dit ça, mon yoka plus ou moins chercher combien comme là et puis on a divisé. On a parlé des pesos, allez sur Google, taper peso mexicain en dollars, après combien de dollars on parlait là, 800 le mois. Exactement. Mais je pensais que c'était année par année que tu as payé l'assurance ici là. Il va même aller aux États-Unis. Tout dépend. Bon, moi même dans cap là on paye chaque mois et même pas qu'on est sur gain l'autre côté mon yo et yo capable on dit on paye toute comme seule année ou bien c'est pas année comment lié. Même qu'on est plusieurs monde qui c'est pas moi à payer ouais. Comme un pays qui collait avec les États-Unis, est-ce que la machine piche ici ou bien comment ça est entre deux pays? Comment t'as une idée parce que les États-Unis ou les amis? Moi c'est le piche ici. Piche ici. Oui, moi c'est le piche. Une machine de machine pour là par exemple, dans qui pour mon capel qui c'est en Ford? Yeah. Vous dites c'est 2015 ou vous dites c'est 2015 d'hier? Yeah. Comment mon capel une machine comme ça ici là? Tout dépend de comment lié. Et je pense que 130, 140, 120, 150 000 pesos, tout dépend. Surtout. On comprend que ça parle de, de kilomètres, état santé machine, on comprend si tout le bagage est en forme là-dedans. Donc c'est ça. Mais où c'est cash ou t'achètes, ou t'achètes le crédit? Merci, bon Dieu, nous t'achètes le cash. Cash? Ouais, ouais non, pas tellement, mais crédit. Moi, pourquoi j'aime faire crédit ici? Oui, j'ai un cadre de crédit. Non pays, ou pas qu'à vivre non pays, genre de pays. Qui a fonctionné au niveau ça pas un cadre de crédit, il faut un cadre de crédit mais nous pas pas mettre code dans nous avec bail crédit. Ah oh, OK. Ouais, non, heureusement nous tranquille jusqu'à présent, nous stable et nous capable faire tout bail bien ouais. 120, 130, 140 000 pesos ça va dépendre de ta machine. Combien oh. Le vin en dollars là bon, on calculer tout dépend de pesos. Mettez le 140 6 7 8 000 dollars en un niveau ça ouais. Environ 7 000 dollars. Oui. Exactement. Okay. Et à part des exercices qu'on fait dans la profession comme travail,
Est-ce que ça arrive dans un moment donné où tu as une nécessité pour travailler dans quelque autre domaine qui n'est pas domaine, par exemple? Jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de nécessité ça. Je n'ai pas besoin de tout. Donc, c'est actuellement, c'est dans l'éducation. Et puis, et comme acteur. Comme acteur. Faut que nous parlions d'acteur parce que l'acteur lui-même. Faut nous parler d'acteur. Ou t'es parlé des films et ou participer. Est-ce que c'est filmographe ou comment ça? Combien de films ont joué déjà? Et c'est premier film moi et puis comme acteur principal tout parce que comme acteur principal dans un film nous pas facile et joindre mais heureusement nous t'es joindre donc comme acteur principal qui et puis en plus tout son film qui parle de migration haïtien tant qu'au haïtien qui a sorti Chili, yeah. Haïtien qui a sorti Brésil qui était pris en route là donc qui vient ici et puis c'est un film que je joue avec une actrice haïtienne qui est Némi Bassien qui joue le film Freda exactement. Freda c'est pour Jessica avec Jessica Genesis exactement oui. Donc film ça lui même là probablement la sorti l'autre année et puis son film est côté et yo pral ouais s'il est capable aller dans festival de Cannes en France avec film, avec film ça donc puis mon yo ka suivre nous en ligne donc c'est Fausse Pierre acheté sur Instagram Fausse Pierre okay. Fausse Pierre acheté au carin ça il a besoin nous les tout bail sorti tout ça publié carin nous dans Fausse Pierre acheté sur Instagram donc il y a plus de ça tout par exemple commercial ou bien ça nous il annoncé télévision sorte fait avec Avec Coca-Cola, oui. Son PlayStation, non, beaucoup elle. Et puis, nous faisons pour Minute Maid, qui par. Yeah, et y a aussi un jus. Yeah. On s'est tout avec un autre qui. Pour yon vidéo musicale, tout ça. Ok, pour film, est-ce que c'est une production nationale ou bien internationale qui fait? Son production nationale, mexicain. Donc qui fait film là mais par exemple dans édition film là toute voix tout effets spéciaux c'est des étrangers espagnols français par exemple m'a rappelé que et photographe là c'est un Turc okay. Si on est qui très reconnu m'a rappelé comme monsieur encore si on est qui très connu donc film ça lui même c'est l'idée après directeur film là j'ai même intention pour que n'aller présenter film en Haïti. Donc, okay. Malheureusement, le pays n'est pas stable, mais on a cherché l'opportunité. Les faites dans deux langues, espagnol, français ou bien un doublage dans l'autre langue? Et m'a rappelé que les faites en espagnol, en créole, et puis dans la scène parmi tout, nous on parle espagnol avec Nekite Chef Moyen, bah, nous parle espagnol. En total, finalement, lui-même, il est en trois langues. Voilà. Mais tout le monde qui était là dans le film, production, photographe et acteur, en total, nous avons parlé créole, français, et créole, français, espagnol, turc, anglais. Ça, c'est dans l'équipe de production. Tout le monde net. Ça, plus ou moins, nous étions dans cinq langues. Ok. Dans cinq langues, oui, exactement. Est-ce que la présence de monde noir demande en pile dans le domaine cinématographique ici? En pile. Est-ce qu'il est rentable tout? Ouais, il est rentable. Actuellement, il y a un pile série, un pile film qu'on a besoin d'un pile noir. Actuellement, là, il y a eu l'aime pour un film, m'attend une réponse. Et puis, il y a une autre série, tout. Et oui, il est très demandé. Il y a un pile noir qui est là, qui a fonctionné là très bien. Communauté haïtienne, non. À combien environ le carnaval? Est-ce qu'on a présence en pile monde qui choisirait ici là? Actuellement, comment c'est gagné? Vous comprenez? Actuellement, commencé à gagner parce que on a un grand pile haïtien qui est de passage, qui choisit de rester qu'on y a là. Mais le pourcentage, je n'ai pas dit exactement. Je n'ai pas dit exactement combien de pourcentage il y a, mais commencé à gagner. Hein? Commencé à gagner. Parce que l'aime sortir généralement, quelquefois, je sortir toujours en pile. Okay. Toujours en pile. Un acteur principal dans le cinéma, tant que production, qu'on participe là-dedans, là. Combien de temps environ qu'on ça, ça va coûter? Tout dépend de production. Détail ça, lui-même. Monsieur Léonard, détail ça, lui-même. Estimation. Est-ce qu'il y a un monde qui a joué un film, il fait des millions, comment ça? Tout dépend de film, tout dépend de production. Qui a intéressé, venir ici, là, parce que ici, là, moi, en pile production, a fait casting, en pile agence, et en pile jeune qui remet domaine ça, tout. J'aime tout dépend de production. Et
et 30, 40, 50 000, Pesos? 60 000, ma parole de dollars. En dollars. Et 20 000, 10 000, tout dépend de production. Mais mon estimation, je ne sais pas exactement ce que vous touchez à vous-même. Exactement, dans le niveau ça. De 10 à 40, 50 000 dollars. Comme acteur principal. Comme acteur principal. Ah, ouais, mais si mon a joué en scène, on va dire ça, donc. Les moins. Les varier. C'est intéressant. Mm-hmm. Et, alors, on a demandé mon yo. Restez connecté parce que nous avons continué avec dialogue ça dans un espace que nous allons visiter là dans la capitale Mexico City qui c'est ville principale capitale pays Mexique. Nous avons avec nous Faustin Pierre, pas vrai? Exactement, Faustin Pierre et Neguanamet. Neguanamet. Alors c'est Wanamet ou sorti. Femme ou bien c'est me sorti faites doucement. OK, faites doucement. Mais toute classe primaire et secondaire dans lycée, de l'école Kai Foya dans primaire, donc c'est là mais c'est généralement c'est dans c'est doucement me lever ouais, mais c'est en commune de Wanamet. Quand même sous de Wanamet, il pas ouais, tout à fait. Il pas grave. Tout à fait exactement. Restez connecté en avant de quitter un commentaire, poser Faustin question pour deuxième partie interview que nous allons faire. Et peut-être dans quelques jours, dans quelques mois, nous ne connaissons pas parce que monsieur a presque pas de temps. Et puis, nous allons continuer ensemble avec la deuxième partie dans un petit temps. Pas oublier, suivez-moi ça qu'a fait là et allez suivre Faustin. Suivez-moi, si pourquoi suivez-moi dans toute plateforme net. Et puis, partagez la vidéo ça pour plus de monde capable de joindre. Nous avons toujours demandé des informations. Alors, je dis, pensez-moi avec Faustin, nous allons faire un paquet de dialogues là pour que nous capable bien orienter ou même qui t'a remé, dit bon. Et moi vini là, moi pas gagne en base États-Unis, moi pas gagne famille capitaine moi. Et comme ici là ba opportunité gens qui Faustin dia, ban m'essayer ou bien ban m'rété. Laisse avoir gétan dit bon, te joindre toute information ça au sur plateforme Léona Choua. Par exemple Faustin. Et gagne plusieurs commentaires sur net là qui dit comme ça, pas gagne migrant ou dit moins haïtien qui passé ici qui ca vivre à l'aise vraiment. Dans toute année d'expérience que vous avez ici dans le Mexique, est-ce que en vous même selon tout ça que vous résumez pour nous là, ou pas senti à l'aise? Bon, comme nous bien Léona Mounio qui dit pas de monde qui est à l'aise, ça parle de point comment on définit moi à l'aise là. C'est très important parce que il y a ces deux monde à l'aise là, il y a un million, il y a un gros caillou, il y a un gros machin à voyager. Et il y a un monde qui simplement ca gon caillou, qui gagne machinio, mon stable disons. Par exemple, mon instable on a gagne toute bagaille et puis la vive. Mais si m'a répondre une question dans terme général qui à l'aise là, oui gagne monde qui à l'aise. Mais en vous même vous sentez à l'aise? Oui, moi à l'aise. Ou stable. À l'aise au niveau mental, à l'aise au niveau économique, à l'aise au niveau professionnel, à l'aise dans tout sens, ça veut dire que je me sens bien. Ma famille là me sens bien, ouais, ça me donne. Donc ça veut dire que gagne c'est de monde à l'aise là pour eux même c'est capable que des monde qui seulement sous 10 monde va faire $500 le mois ça pour vous pas à l'aise. Ah, dit comme là trop bas pour ta à l'aise. Exactement. Mais pendant c'est avec $500 américains là, on monde qui vivre. Et $500 vivre, les gens limité tout dépend de mode de vie. Ouais. $500 les gens limité, mais là commence arriver dans $1000, $1500, ou qu'a vivre avec les gens qui fait économie, tout dépend de dans qui zone vous voulez vivre. Tout dépend de nombre de moun wa vive avec lui. Mm-hmm. Tout dépend de économie ou voulez faire. Tout dépend de loisir ou qu'on voulez point. Ouais, ça me donne là, c'est important. Donc, ça pourra permettre ou, d'une idée que, ou capable de dire, on sait que moi-même, avec $1000, si moi, avec un madame, moi seulement, on peut vivre avec $1000. Il y a un appartement qui est bien, m'a payé tout service, ça capable de faire économie, marcher machine, qu'a fait loisir, qu'a une belle plage ici, là, qui visite. Et il y a un avantage qui est ici, là, c'est que, la question de vacances, il y a tout côté où aller. Yeah. Tout type de côté où vous capable. Par exemple, je dis à la nous Bosque Chapultepec. Exactement. Bosque Chapultepec, c'est un. Comment tu es capable de dire en français? Comme son c'est un parc. Français, un parc de loisirs. De loisirs naturels. Mmh. Exactement. Mmh. Nous avons gardé là, nous avons un pile arbre. Exactement. C'est vraiment intéressant là, c'est un espace vert que les gens peuvent venir là chaque jour. Les gens peuvent venir là chaque jour. Généralement, les gens viennent les week-ends avec famille. Venez passer un petit temps, manger ensemble, visiter, jouer dans les blancs, courir, ouais, ça me donne. Donc ça veut dire qu'il y a un espace côté pour les gens qui sont à l'aise. Parce que si on a un espace, on ne peut pas payer pour entrer là-dedans.
C'est gratis. Yeah. C'est gratis. Et grand pile l'autre côté. Il y en a pas qui grand pile monde qui va connait. Ici là grand pile musée. Ici là c'est en dedans ici là là même Bosquea. Non non, Mexico. Mexico ou bien Mexique en général, m'a pensé c'est deuxième ou troisième pays dans le monde qui gagne plus musée. Plus musée. Ça veut dire que et des musées qui gratis les week-ends. Des fois sous professeur ou on peut avancer de côté. Ou entre gratis soit visiter pour connait. Si son monde qui aime culture. Donc ça veut dire que grand pile côté pour visiter en pile bibliothèque. Parce que j'aime taper écrit master et mémoire de master moi, ça veut dire que mal non bibliothèque ici là, je veux un livre qui est en français pour m'écrire mémoire. Okay. Et c'est gratis, voilà. Vous pouvez faire un 4 ou aller visiter, rentrer l'ovle. Donc ça veut dire grand pile espace en pile c'est de côté, moi capable visiter parce que grand pile moun ont des gens, surtout compatriotes des fois qui ont des gens limités par contre il a pas les deux à l'aise, il veut seulement au niveau économique. Au niveau économique, c'est mal l'argent qui peut exactement. C'est vrai l'argent, c'est le qui cause nous immigrer. Mm-hmm. Mais on monde qui a quitté Haïti, c'est comme un pays qui vraiment pas stable. Je pense que mode de vie, qualité de vie, stabilité, t'as de plus focus là. Exactement, tout à fait. Oui, on est là, on est légal, facile, on est vivre tranquille. Il y a une question que nous toujours posé. Léonard, est-ce que le pays Mexique, parce qu'on est nous, c'est noir. Exactement. Il y a un pays qui a rejeté nous là, qui vraiment a pratiqué discrimination sur nous, tant que la République dominicaine, dernièrement, il y a des plusieurs cas qui présentent ça fait quelques années dans Chili. Je vais regarder ça sur le monde. Qui n'ont pas adapté ensemble avec la communauté noire, vraiment. Est-ce que c'est pas adapté avec nous, mais nous-mêmes qui n'ont pas adapté avec nous? Ça, c'est l'autre question qui est vraiment importante. Ici, dans le pays Mexique, au niveau racial, par exemple, nous-mêmes noirs, selon 13 ans d'expérience, hein, comment ça est exactement? Et il y a des hauts, il y a des bas là-dedans. Gese de zone où rivé, on n'a pas un problème avec noir là et personnage noir haïtien, quelque soit nationalité noir, yo apprécie, yo accepte, yo même invite même pour venir collaborer avec yo. Gese de zone, mon n'en doit pas faire raciste là de manière et pour capable ouais pour capable sentir mais li exister. L'exister là doit pas dire li, yo n'a pas tout chaud, mais li n'a pas dire bagaille pour sentir que c'est raciste que la fait avec vous, mais l'exister. Et gen sa krele ici de Mexique, ça crée le classisme. Ça veut dire que classification et de niveau économique moun yo, yo toujours ouais noir, c'est un moun qui pa gen l'argent, c'est un moun qui pa gen formation, c'est un moun qui pa préparé, c'est un moun qui pa ka foncer de travail. Donc ça veut dire que yo gen tendance à mettre classe moun sa de côté. Mais est-ce que c'est pas un bail qui mondial pratiquement? Li mondial. Mais ici là des fois li non seulement li mondial oui mais ici là des fois mon yo fait d'une façon qu'on pas même ouais ouais même ouais mais raciste ou bien discrimination raciale qui me voulait faire référence à l'IA c'est avant où il vient en côté ou pas faire haïtien caille et où ça arrivé où il vient en travail là et puis ça arrivé yo dit bon ou pas bienvenu parce que c'est noir un exemple tant qu'on dans machine là ou chita et puis yo comme yon monde qui différent ouais ça arrivé ou carré ou ça qu'on arrive des fois c'est des expériences que nous vivons déjà. Okay. Quand arrive ou pas pour parce que haïtien, m'a prend exemple de nous-mêmes. Quand arrive là parce que yo pas le haïtien quand parce que grand haïtien là, il fait bruit dans caill là, fait des autres dans caill là. Il a sorti il quitter toute baie sale. Son sujet qu'on a gagne pour nous parler sur les. Ouais, donc ça veut dire que yo prend ça comme une référence pour que yo parle l'autre haïtien caill. Gagne un côté, moi me vive expérience là. On t'a la fait mais un côté, les moi je dis selon ça que haïtien t'es fait là. Il va bloquer. Ça arrive, hein? C'est un monsieur seulement qui est plus ou moins respectueux. Il dit jusqu'à présent lui-même, c'est parce qu'il est cool, il respecte les principes qui font quitter la main pour le prochain haïtien qui va venir. Exactement, exactement. Moi-même, ça arrive, mon homme, je cherche Kai, puis je parle avec mon homme, dit c'est étranger. Parce que j'ai senti accent, mon petit genre différent, les étrangers, il dit oui, il parle étranger Kai. Il parle étranger. On a l'air chercher. Mais son discrimination contre au calport est plainte. Oui. Ou cal, ouais, exactement. Au calport et monde ça a trouvé un gros problème. Yeah. Donc il y a monde qui par contre ça. Ouais. Si aussi des discrimination, gain code capoté plainte. Nous toujours une information ça au dans bureau Comalio, dans Acnour, faut te gain numéro ko carré dit et ou report ça, ou report li pour monde capable. Par exemple, une loi qui sorti côté que au canal là, oui comme ça que monde immigration aucun bruit à foncer, il a fait discrimination sur
Donc on ka reporter moun sa yo. On ka reporter moun sa parce que yo pas de fait discrimination sou comme moun ki on ti jan m te capable di moun ki régulier. Donc si yo fait le sou, on ka reporter yo des fois moun sa yo ka rencontre dans grand difficulté. Allez dit quand même yo respecter droit nous malgré des yo respecter même si yo pas appliquer mais il gagne plus moun ki connaît. Ouais. Okay. Tout à fait. OK. Pensez que nous pas ka prendre toute information aujourd'hui, on a quitté moun yo réagi par rapport à première phase interview ça. Ça arrive avec une question qui me pas poser qui me notarien mais connaît. Alors nous gagnons Pierre Faustin qui c'est un ami déjà dès que c'est pour la première fois nous réussi rencontrer mais nous connait parler. Première fois nous rencontrer première vidéo. Première vidéo nous. Je sais que c'est pas dernier. Non c'est pas dernier. Tout en nous vivant là au contraire nous gagnons des projets qui nous j'aime désolé me gagner c'est un podcast, gagnons une plateforme multimédia qui bientôt malgré m'annoncer sur plateforme là côté va pas venir Chita dans studio Chita pour nous parler des choses. Et quelle communauté ici t'a grandi? Tout à fait, tout à fait. Et alors, on m'a demandé pour nous aller suivre nous sur Instagram tout. Instagram. Sur Fospierre HT. Il y a besoin de nous sur Instagram, Fospierre HT. Dès là, il y a toute information et il y a posé nos questions tout. Il y a posé question là. Exactement. Et puis, mais pour deuxième partie interview nous, n'a permet de poser question parce qu'il faut que nous ouais pour qu'on vienne avec liste question que nous poser pour nous bon mais ça nous demande oui parce que moi-même toute question yo pas venir en tête même penser demander assez nous parler jodi nous parlons pile une belle cause important que nous mais je n'ai plus l'information merci d'être que tu as accepté l'invitation c'est un plaisir aussi un plaisir femme. Et bien d'accord merci à vous même qui t'a regardé qui t'ai un commentaire gens qui nous dit pas seulement souhait travail là bon pour féliciter nous partager lui et like et plutôt al suivre Faustin sur Instagram Faustin HT al suivre lui et puis tout n'a pas une autre vidéo exactement à la prochaine